Du coup, voilà, on va jouer à Garry's Mod ensemble. Donc ici, voici, on a vu les règles. Donc, story, you had an accident, and then, all is quiet. What happened? It's Adrian. I have to leave this place. Donc, il dit que... Il a eu un incident. Après, bah, tout est quitte. Queen. Tout est Freddie Mercury. Donc les règles, on s'en fout. Avant de jouer, oh, je m'en fous aussi. Attends quoi? Ouais, non, je m'en fous. Ouais, non, j'ai pas d'amis. Oh! Franck! Franck! Résiste. Prouve que tu existes. Ah, une crowbar. Ça s'appelle un pied de... bonjour madame. Je sais pas si vous êtes gentil, mais moi je suis gentil, hein. Du coup, on va explorer un petit peu les alentours. Heureusement que j'étais juste en train de remonter mon petit caleçon. Le monsieur, il saigne. Ça va, encore rien de trop effrayant pour le moment. J'ai besoin de quelque chose pour casser ça. Le mec réfléchit un petit peu, t'as une crowbar en main. Oh non! Théo, mais qu'est-ce que t'as fait encore? Quand j'ai une crowbar, bah... Je me permets d'ouvrir des trucs. Donc voilà que j'ai trouvé les clés, on va pouvoir aller ouvrir la porte que je suppose. Et celle-ci. Mais monsieur, mais si vous voulez nous faire peur, dites-le avant quoi. Mais non, mais c'est pas marrant quoi. Ah bah voilà. Bah voilà. Attendez, j'ai une technique plus manière, plus facile. Laissez-moi faire un tour de magie. Abracadabra. Voilà, le Shrek Zuka. Donc voilà que j'ai trouvé les clés. Et voilà, on s'en va. Oui, le monde est petit. Merde! Vous savez, je connais une technique plus facile pour... comment dire? Péter les portes. Ah. Bon, je disais, il ne s'est rien absolument rien passé. On va continuer d'explorer. Oh! Un sac de couchage. Oh, ça n'a pas l'air de fonctionner. Il y a un bouton sur cette... Oh! Mais monsieur, on vous a déjà dit combien de fois de pas avoir le cul posé sur la putain de pot de chiottes? Il va censé avoir un truc d'effrayant ici, mais je pense que j'ai cassé le truc. Je pense que quelqu'un s'est cogné l'orteil contre la table. Pas ouf que... Enculé, ben, ça me fait peur. Hein. Dans mon dos, j'ai eu des petits sursauts. Mais y a des rats qui font des bruits d'enfants qui sont... On duel Brawlhalla avec Marc Dutroux. Bon ben, je pense que je vais trouver très vite l'outil que j'ai besoin pour faire ça. Donc, je vais continuer de chercher un petit peu. Donc voilà, j'ai trouvé comment faire pour les clés.
Oh putain! J'avais pas vu. Du coup, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? La porte est restée ouverte, je sais pas pourquoi. Du coup, je vais continuer ma route. Oh non! Encore un monsieur, regardez, il va partir en arrière. Doum! Oh non, Jésus. Oh! Je suis descendu jusque là juste pour ça. Ouais, on s'amuse. On s'amuse. Yes. On s'amuse. D'accord. D'accord. Ça m'intéresse pas trop d'aller dans cette pièce. What? Et de madame. Je pense que j'ai une petite technique à ma manière de comment la tuer. On a vu, j'ai cherché une clé, hein, comme d'habitude. Ça change pas des masses. Ah bah, pas de clé. Voilà. Putain de prod mode de merde. Ah bah, voilà, c'est ouvert. Mais je pensais que je t'avais tué, madame. Je pensais que je l'avais tué, là, madame. Oh, la table! Doucement avec la table, hein. Le dessert! Ouais, non, non, je pense pas que je pense pas que je vais rester ici. Je sais plus de où je viens. Exit. Def. Ouais, bon, je suis pas con à bouffer du foin, tu vois. Je sais très bien que la mort, ça va m'amener quelque part. C'était pas des couilles. C'est le Spartan Kick à écouter. Il veut pas y résister, c'est pas de ma faute. Hein. Oh, il y a du zombie. Tiens, manger mon pain indigne. Mais j'ai pas vu ce que je devais faire. Indigne. Tu oses me sauter dessus alors que j'ai le Spartan Kick en main. Quoi, attendez, j'ai pas vu ce qu'il fallait faire. À côté, les zombies me font peur, un truc de ouf. Mais après, c'est bon. Putain, c'est pas comme depuis le début de la vidéo, j'avais des sauts, des sursauts et des frissons dans mon dos. Un revolver. Il va falloir que je tue. À l'arme à feu. Un shotgun. Que je tue. Oh! On peut continuer. Bonjour. Est-ce que je dois aller dans le trou? Waouh! Un trou de verre. Mais rien ne me bloque en fait, je t'explique, moi je suis Spartan Kick. Voilà. Ah, on peut pas passer. Invisible. Ouais, non. Voilà, oh, ouais, bah, j'ai trouvé les clés en avance. Euh.
Ouais, après, je sais pas où est-ce qu'elles vont aller les clés, mais. Non. Là, peut-être. J'ai ouvert par porte. À gauche, à droite, ok. La madame, elle a survécu cette fois-ci. La madame, elle a survécu. Elle a survécu, c'est bien pour elle. Mais la prochaine fois, elle survivra pas. Ah, ça, c'est de l'eau électrique, ça, alors. Ah. Ça fait mal. Si vous avez vu, c'est la porte là-bas que j'ai essayé d'ouvrir qui fonctionne. Ouais. Ah, là, ok. C'est checkpoint 4. Ah, voilà. À mon avis, je vais quand même redonner un... Oh, les Master Sword. Tant que j'ai tué. Mais c'est chiant. Je passe. Mais oh non, un code, bordel de merde. Que ça va me faire chier qu'il y a des codes. Je connais une solution aux portes qui n'acceptent pas mon entrée. Ça s'appelle le Spartan Kick. Voilà. Je peux continuer. C'était très fortement irré. C'est moi. Je vous explique, moi personne ne me bloque. Yes. Finally! Yes! Cette map est finie! Eh mais. Mais je vais avoir des droits d'auteur! Staline! Des headcrabs sans headcrab! Un rapide sans headcrab! Deux pélos! Un zombie headcrab! Fluttershy! Le jeune Franck! 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 Never gonna let you down, never gonna run around and hurt you.